Secret Story 11, Camila, fière de son grand finaliste. Noré au bord de larmes. C'est une soirée forte en émotion. Avant de découvrir qui est le vainqueur de Secret Story 11, chaque finaliste a le droit d'écouter le discours d'un ancien du campus des secrets. Évidemment, c'est Camila qui est désignée pour parler de son époux. Plus belle que jamais dans une longue robe blanche, la Marseillaise a ébloui son mari qui ne revient pas en voyant sa belle sur l'écran dans la maison des secrets. Il ne cesse de répéter « Elle est trop belle ma femme ». Dans les yeux de Camila brille la fierté. Elle dresse le portrait de son mari avec amour. Elle rappelle que Noré détient le record de secrets découverts cette année. Elle rappelle qu'il n'a jamais cessé d'enquêter, d'emboucaner, de jouer le jeu des missions. Elle estime qu'il a su préserver leur mariage, leur amour est renforcé. Elle dit qu'il a été fort même après leur déchirante séparation. Camila, amoureuse et épanouie, conclut son discours par un « te voir en finale me comble de joie », et de finir sur un joli jeu de mots, « je suis honorée d'être ta femme » qui déclenche un éclat de rire à Noré. De son côté, le finaliste, ému et heureux, veut appeler le public à voter pour lui car il a été transparent, « dans la maison c'était comme chez moi, je n'ai rien caché ».